Quand je prends la Sainte Seine, je prends l'amour du Christ dans le pain et le vin. Quand il a partagé le repas avec ses disciples ce soir-là, c'est de l'amour qu'il leur a donné dans ce pain et dans ce vin partagé avec eux. Il savait que il allait être trahi, qu'il allait être renié, abandonné, et il les aimait. Il les aimait pas comme une conséquence, encore moins comme une récompense. Il les aimait comme une cause, comme une origine. C'est dans cette origine qu'ils ont pu puiser la force de se relever après leur trahison, leur reniement, leur abandon, la force de dire leur message. Et c'est ce que je puise aussi dans le pain et le vin aujourd'hui, quand on le partage. J'y puise l'amour du Christ pour moi, tel que je suis, et j'y vois aussi, quand je regarde celles et ceux qui sont autour de la table avec moi, l'amour du Christ pour chacun et pour chacune. Même celles et ceux avec qui j'ai eu des mots, ou celles et ceux que je connais pas, ou celles et ceux que j'aime pas trop. J'essaye, dans la communion, de les regarder un peu avec ce regard d'amour du Christ pour eux.